tous, c'est Tio Tonton. Alors on va continuer de chasser, voilà, tout simplement. Donc je jette un œil vite fait à la carte pour voir où on en était. Donc on doit partir explorer tous ces sites qui sont ici. Alors je vais pas faire comme l'autre fois, je vais faire des ellipses et je vous récupérerai lorsque j'aurai des choses à vous montrer pour éviter justement que vous soyez en permanence derrière mon personnage en train de le voir juste se déplacer. Si vous préférez que je revienne sur des chasses complètes, quitte à être bredouille sur la durée de la chasse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous préférez ce concept-là, eh ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Donc moi, pour le moment, je vois que j'ai un point de talent disponible. Donc on va aller tout de suite attribuer le point de talent. Alors, je suis en train de monter alors les talents carabine. Puisque principalement je joue à la carabine pour le moment. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je suis au niveau 1, niveau 2, réduit l'avantage, enfin davantage l'oscillation et augmente la durée pendant laquelle vous pouvez retenir votre souffle. Donc ça c'est intéressant. Donne accès au point 0 courte portée, longue portée. Donc c'est pour changer les réglages de la carabine. Donc là pour le moment. Je ne vais pas y aller tout de suite. Retenir votre souffle permet d'augmenter le grossissement des mires, viseurs, points rouges et viseurs holographiques montés sur carabine. Donc là, on ne voit pas lunettes, hein, on est bien d'accord, c'est juste pour les mires, les viseurs points rouges et les viseurs holographiques. Donc ça m'intéresse beaucoup moins puisque je joue plutôt à la lunette. Donc on va partir là-dessus. On va essayer de stabiliser au maximum l'arme de façon à pouvoir l'utiliser correctement. Voilà. Donc on vient d'avoir une bête hein, qui vient d'appeler. Alors, touc, touc. Donc retour arrière. Alors, c'est bon ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est fait. Carte. C'est bon. Voilà, donc ça vient de crier là-bas. Comme la dernière fois. Alors, c'est un cri d'accouplement d'un mâle. Je vais m'accroupir, prendre ma carabine tout de suite. Le vent est plutôt mal placé pour moi. Je vais essayer d'appeler quand même le cerf. Alors on est sûr. Voilà. Je vais regarder si je le vois déjà. A priori, je vois rien. On va se mettre sur les jumelles. Un oiseau. Ah, je le vois, il est là. Non, je suis très embêté parce qu'en fait, pour moi, il est juste là. Alors, à moins qu'il ressorte ici à droite, je ne sais pas. Mais le souci, c'est que je suis encore avec le vent dans l'œuvre là. Alors, a priori, ce serait un mâle. J'ai basculé sur la carabine. Et oui, là, j'ai le. Voilà. Il a senti l'odeur. C'est une femelle, on dirait. Donc, c'est pas celui-là qui a appelé. C'est un autre. Il est toujours là. Cri d'accouplement, on va donc continuer d'appeler. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, si on pouvait se faire un mâle en début de partie comme ça, ce serait quand même impeccable. Alors je l'appelle, mais je continue de me déplacer vers la droite. Pour essayer. Voilà, j'essaye simplement de changer l'angle de façon si possible à ce qu'il n'arrive pas dans l'axe du vent. Mais je pense que là, c'est très très mal barré. J'ai carrément le vent par là, quoi. Hein, donc j'ai le vent dans le dos, hein, donc je peux pas. Ça m'étonnerait fortement. Plus j'essaye de me décaler et plus. On va voir. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cri d'avertissement. J'ai peut-être une chance de pouvoir changer d'angle et de peut-être le voir. Donc là, j'essaye de ne pas faire trop de bruit.
Pour l'instant, j'entends rien en termes de. De bruit de pas d'animaux ou autre. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il vienne vers moi. Je pense qu'il était peut-être un peu loin pour capter l'appel. Et puis avec le vent dans le dos, j'ai bien peur que malheureusement ça le fasse fuir s'il se rapproche. Donc je continue de me décaler à droite. Avertissement de la femelle. Alors ça, ça craint. Parce que si le mâle s'éloigne à cause de ça... Bon, c'était couru, hein. De toute façon, j'ai le vent dans le dos. Elle sait que je... Elle m'a senti depuis longtemps. Sur le mal. Il y a cette crête en fait hein, qui me gêne. Et à mon avis, avec le cri d'avertissement qui vient d'y avoir, c'est mort. Toujours un cri de femelle. De me décaler vers la droite pour essayer de les sortir de mon cône de d'odorat. Là, il y a des animaux autour, je les ai entendus. Juste à côté, j'entends bien les... J'ai bien entendu les bruits de pas. Je suis pas sûr du tout. Voilà, je pense que là... Ah bah là, le mâle m'a senti, hein, donc... A priori, ça marche. Au son, j'ai pas l'impression que ça court. Hein. J'entends plus de bruit, donc à mon avis, ils sont partis. Cet effet d'arbre aplati, je le trouve quand même très très bien réalisé. Alors là, je suis encore sur des traces de pas. Je vais descendre là-dedans. On va voir hein, si j'arrive à avoir un visuel. Si c'est tout près, ben j'ai l'arc. Si c'est loin, je passe au fusil. J'ai peut-être une chance de... De réaliser un tir, on va voir. Voilà, donc c'est vide hein, a priori. Non, là-bas. Ah ben, là-bas. Alors, il y a quoi? Il y en a au moins une, peut-être deux. Ce que je vais faire, je vais me décaler pour essayer d'avoir la plaine dans l'axe et je vais les appeler parce que là, je suis tranquille au niveau du vent. On va essayer de les faire venir, on va voir si ça marche. Voilà.
vient d'y avoir des avertissements, donc il se peut. Ça peut être des femelles. On retente. J'en vois une là-bas. Allez, elle vient vers moi. Là, je l'ai eu à l'arc, j'ai pas fait trop de bruit. Il y a un coyote qui m'a senti, ou plutôt entendu, je pense. Alors, on va déjà récupérer ça. Allez, on valide le trophée. Hop, hein, je l'ai eu. Chair omoplate gauche, poumon gauche. Bon, à 12 mètres, hein, donc. Mais bon, 900 crédits, ça me va. Alors, il y avait un mâle, il n'y est plus. Enfin, en tout cas, a priori, il s'est barré. C'est terminé. Bon, bah du coup, on est reparti. Donc je pense probablement à une ellipse. Hein. Voilà, donc là, lui, il m'entend. Cri d'avertissement. Je vais prévoir le fusil tout de suite, hein, parce que lui... Ça m'étonnerait que je le voie de près. Je vois pas le coyote. Alors je vais voir parce que je dois avoir un appo à coyote. On peut le tenter. Voilà, magnifique bruit de la peau à coyote. Je prévois le fusil. Je vais quand même regarder. Je vois rien. Coyotes sont très très durs à chasser, hein. C'est un animal qui est très 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 peureux, qui va le plus souvent s'enfuir au moindre doute. C'est un peu comme les renards, hein, sur le premier The Hunter.
essayer de me décaler sous l'arbre. Voilà. Juste à temps. Donc j'ai eu du bol. A priori, il m'a pas entendu. Et la peau a fonctionné. Donc là, j'aurais préféré le tirer à l'arc, mais malheureusement, j'ai pas trop eu le temps. Alors là, pour une fois, jolie position de ragdoll. On a vraiment l'impression... Voilà. Bon, avec peut-être une patte un peu bizarre, mais... Donc, hop. Je fais 1133. C'était une femelle. Chair, poumon droit, cœur, poumon gauche. Alors là, je vais laisser aucune chance. Alors là, le deuxième, normalement, est parti. Donc on va s'en approcher un peu, on va essayer de se mettre là-haut. Voir si on peut le faire revenir, mais bon, j'y crois pas. Moi j'ai l'avantage de ne pas être dans le vent. Toujours faire très attention au bruit, puisque là le coyote je l'entends en fait, hein, c'est au son que je l'ai trouvé. Alors je sais pas trop comment font les coyotes, mais dans The Hunter, les renards faisaient souvent des approches par une autre direction. C'est-à-dire que par exemple, il arrivait de par ici, on faisait un appel, et au lieu de venir directement sur nous, en fait il faisait un arc de cercle pour arriver sur nous d'une autre direction. Sur le sommet de la colline, on regardera autour. On a peut-être des choses qu'on pourrait voir comme ça. Je pense notamment là-bas, là. Trace de coyote au trot. Alors, il est peut-être déjà parti très loin. Hein. Donc ça c'est un mâle. On va peut-être avoir une vue dessus, ce serait impeccable. Visuel. Hop. Oula, il est bon. On va attendre. Je vais m'avancer un peu.
Là, il est bien dégagé. Alors, on va voir si on l'a eu ou pas. Je crois que oui. Je crois qu'il est couché. Non, c'est peut-être un caillou d'ailleurs. Non, il est couché. Eh ben voilà une sacrée chasse là. On n'a même pas eu le temps de faire l'ellipse. Hop. Donc là, chair, estomac, intestin. 921, un mâle. Voilà. Accepté. Du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. À mon avis, on va peut-être pas se lancer dans une longue marche. On a fait 3 animaux, c'est voilà, c'est plus que raisonnable. Et puis, je ferai peut-être l'explo en solo. Et je vous récupérerai une fois que j'aurai exploré un peu plus. Peut-être pour aller chasser autre chose. Je vais essayer de vous amener là où il y a des ours. Ou il faudrait qu'on change un petit peu de gibier. Parce que là, on est quand même sur... le coyote et le cerf, ça serait bien un petit peu de changer. Voilà. Donc, bah moi, dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Alors, comme d'habitude, si ça vous a plu, eh ben, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à diffuser la vidéo autour de vous, hein, vos amis, tout ça. Et eh ben, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!